Generations. Much can be learned from past generations. For past generations write history. They become history. The past may have already been written. But the future awaits a new generation. Oh my God! It's SmackDown versus Raw! Sports entertainment will never be the same! Et salut à tous et à toutes, c'est Jack Booby et on se retrouve pour ma deuxième vidéo explicatif du menu de SmackDown vs Raw. Et oui, je suis obligé d'un peu de faire ça, ce serait peut-être mieux. Alors voilà, on est dans le menu. Alors il y a le menu, il y a les matchs, type de match, 5 matchs normal, tag team, 6 matchs tag team, handicap. Hardcore, si je me trompe pas, ouais, match tout est permis, Royal Rumble, Survivor, c'est les batailles royales, tout ce qui est bataille royale, main event, en 3-4, ouais, ça c'est, vous voyez quoi, il y a plusieurs types de matchs, élimination de chambre, élimination tag team, Fist Blood, NSL, Iron Man, Ladder Match, Last Man Standing, Parking, Love Brawl. C'était un nouveau mode à l'époque quand on a commencé à jouer à ce jeu. Il n'y avait pas dans SmackDown vs Raw Weekend the Pain. Ouais, il y avait, mais dans un autre contexte, on est vraiment dans un parking avec plein de voitures, tout ça. Là, les voitures, ils sont ronds. Le premier match qu'il y a eu, c'était entre John Cena et puis Eddie Guerrero, si je me trompe pas. Voilà, Sombek Knocker, je sais pas ce que c'est. Je peux pas vous dire ce que c'est. Spécial référence, ça c'est les armes spéciales. Steel Cage, soumission, table match, TLC. Voilà, on a fait le tour là. Après il y a Creator Mode. Ça c'est pour créer des superstars. Vous créez une superstar, après vous créez l'entrée, tout ça. Enfin, vous voyez quoi. La saison, ça je vais pas y aller tout de suite, j'irai à la fin. Pay-per-view. Voilà, on va aller voir. Laissez charger. Les pay-per-view, on peut créer les pay-per-view. On peut créer une ceinture. Dans, à cette époque, c'était la première fois qu'on pouvait créer une ceinture. Dans ce premier SmackDown vs Raw. Dommage qu'aujourd'hui on peut plus faire. Ouais, on pouvait faire, je sais plus dans lequel, dans 2K13 ou 2K14, je crois. On pouvait faire, mais c'était tellement mal fait que moi j'ai pas vraiment aimé quoi. Et puis là les PlaySim, ça c'est les pay-per-view à l'époque. Ils mettaient les matchs de l'époque. Je ferai une vidéo sur ça. Mais c'est pas pour le moment, le moment c'est pas là. Maintenant on va continuer le menu.
si le temps de chargement peut aller vite. Online, ah, on pouvait jouer à l'époque en ligne. Moi j'ai jamais joué en ligne avec la PlayStation 2, jamais. Après il y a les options. Le niveau de la difficulté, je pense mettre en hard. On va essayer, on va voir. Si c'est trop compliqué, je mettrai en nous en normal, on verra. Voilà, différent, vous voyez. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Challenge mode. Ah, c'est pour faire les objectifs du jeu. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit match. Ouais, est-ce que je vous fais un match? Ah non, j'ai oublié de vous montrer. Je sais plus où c'était. Ah oui, voilà, c'est ici. Alors, là, c'est tout ce qu'on peut acheter durant la carrière. On fait des matchs, on gagne de l'argent. On peut débloquer les catcheurs, les légendes. On peut débloquer les arènes, les divas, avec différents habits. L'habit de John Cena. Il y a le poster. Et puis le menu avec les différents... Zabio, ils sont pas mal encore pour l'époque. Enfin voilà, on va faire un match. On va faire celui-là. Je me souviens plus ce que c'était. Ah oui, c'était, je pense, on verra bien. Je sais plus ce que c'était. On va prendre Trishtratus. Normal. Contre, on va mettre, je pense, contre Lita. Est-ce que Lita est dessus? Non, l'époque Lita n'était pas. Oh, bizarre. Bon, ben. On va mettre Tori Wilson alors. Et vous avez les différentes arènes de l'époque. Entre 2004 et 2005. Fin 2004, début 2005. Ce sera toujours comme ça dans tous les SmackDown vs. Raw. Comme 2005 à 2006. Enfin voilà, on va aller à Raw. On va voir ce que c'est. Les temps de chargement. Ah, Charlie Hals. Ouh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Alors voilà, pas mal les entrées à l'époque. Ah voilà. Alors, d'accord. Ah, mais c'est un match des Playboys en fait, si je me souviens. Je me souvenais plus de ce match, ça faisait tellement longtemps. Oula. Good old JR Jim Ross here with Jerry the King Lawler at ringside. And what an event we have for you tonight. Each of these superstars has his sights firmly set on victory. Well, you know what they say, JR. Winning's not everything, it's the only thing. Ah, on peut faire quoi? Oh là là. Ah ouais, d'accord.
Ah, tu fais quoi? Ah, tu fais ta petite garce, hein, Tori, hein? Ah, d'accord, ok. Donc, il faut l'affaiblir, je pense. Voilà, tac. Ah! Ah, tu vas pas réussir à me l'enlever. En fait, ce match, il faut enlever les habits. C'est ça la règle. Ah! Wow! Un joli. Une souplesse arrière. C'est bon, t'as fini ou bien? Tu me laissais tranquille ou bien? Oulala, c'est différent, oulala. Oulala. Ça me change. Ah! Elle veut m'enlever. Tu vas pas réussir. Ah mais elle se défend bien encore, hein. Oulala, c'est vraiment dur, hein. Ah bah oui, j'ai mis en hard, c'est un peu normal, hein. Tac, la prise de finition. On va essayer d'enlever ça en haut. Oula, faudra que je me méfie durant mes matchs, hein. Ah ouais, c'est vraiment plus dur... Ah puis elle esquive tout, hein. Ouh, joli DDT. Ah oui, ça fait très longtemps que je regarde le catch. Ça fait 12 ans que je regarde le catch. J'avais 10 ans, entre 9 et 10 ans. Ouh, une fessée. Ouh, t'aimes ça les fessées, hein. Ouh, t'aimes ça les fessées. Encore un, allez, encore un, une fessée encore. Tiens ça, une fessée. Oh, elle embrasse. On va enlever, essayer d'enlever son haut. Ah, on va peut-être réussir. Ouais, on l'a réussi. On a eu son premier haut. Oula. Qu'est-ce qu'on va nous faire? Une petite... petit écrasement. Ah, ouh, elle veut faire sa belle, hein. Ah bah, tu vas pas faire autant ta belle, hein. Wow. Ah, encore une fois. On va essayer d'enlever s'en bas. Oulala, c'est quoi cette position là? Ah, c'est pas facile. Ah, elle m'a esquivé. Un joli coup de coude. Ah, je me suis fait surprendre. Je pensais pas que... Wow, oulala. Elle est agressive, hein. J'ai chaussé assez. Ah. Position pareille, triche. Ouais bon, ça sert à rien. Faut que je l'affaiblis plus.
Mais non! Ouais, bah, je pense pas que j'arriverai. Encore? Mince. Ah, elle esquive. Oh, mais pourquoi je fais toujours cette prise? Tiens, une fessée. Voilà, à nouveau, on va nouveau une fessée. Cette fois, on va essayer de bien faire. Ah, raté. On va essayer d'enlever son haut. Son bas plutôt. Ne soyez pas pervers. Hein. Faut que... Je pense qu'il faudra peut-être un finish, on verra bien. Ah, nouvelle position. Ah, elle ne veut pas, hein. Ruy Bulldog. On lui fait encore un finish. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ah, elle est KO. Essayer d'enlever son bas. Non mais c'est pas facile là. Ah, un coup de genou. Oh, joli DIT. Aïe, aïe, c'est pas facile. Trish Stratus, plusieurs fois championne. Une des meilleures catcheuses qu'il y a eu, hein. Moi, je trouve. Avec Tori. Elle n'était pas si mauvaise, Tori, à l'époque. Elle catchait bien. Excusez-moi. Je suis un peu malade. Essayer de lui faire mal à sa jambe. Je pense qu'il faut détruire un peu le bas parce que sinon j'arriverai jamais. C'est un peu monotone, mais bon, j'ai un peu pas le choix. Hein. Ah, un finish. Ah, elle m'a esquivé. Ah. Un joli saut de la troisième corde. Ah, un coup pas derrière. Et sa prise, je sais plus comment elle s'appelait, hein. Maintenant on va essayer. Ah, on va réussir. Oui, on a réussi. Et voilà, on a gagné le match. Un Trish Stratus qui fait ça joli là. Voilà, on a gagné. Alors, on aura bientôt fini cette vidéo. Un peu regarder le menu, regarder faire un match, tester un peu. Parce que ça fait très longtemps que j'ai plus joué. Hein. Next, on va aller sur le mode saison. Comme ça, vous saurez quel catcher je vais prendre. Alors je vais faire, je pense que je vais faire une saison, deux saisons à SmackDown et deux saisons à Raw. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. Alors, j'ai déjà choisi mon catcher. Voilà, comme vous voyez. Ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo.
Alors, je vous remercie de regarder regardez bien cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein. Et mettez un like. N'hésitez pas. Et je vous dis la suite au prochain numéro.